Selam, bayam, selam. That's life, bayam, selam. Bayam, selam, bayam, selam. That's life, bayam, selam. Kosa. À la plantation du producteur Ndonda Charles, qui c'est pas par hasard que nous sommes là, c'est pour la qualité de son travail et l'image qu'il a voulu donner du poivre de Penja à travers l'indication géographique. Donc c'est un projet qu'on a lancé dans les années 2008-2009. Très peu de producteurs n'ont pas cru. Lui était tout petit à l'époque. Quand je dis petit, ça veut dire qu'il n'avait pas encore la capacité de production, il n'avait pas ses espaces. Il a pu s'acquérir une petite parcelle de moins d'un hectare, aujourd'hui environ 2-3 hectares. Et quand je dis qu'il est parmi ceux qui font la fierté, c'est que quand il se retrouve, comme lui-même il le dit, à un peu plus de 3 tonnes, ça veut dire qu'il a environ 1 tonne par hectare, qui est le meilleur rendement de notre filière. Il y a des gens qui ont 10, 20, 40 hectares, mais ils ne vous diront pas qu'ils en font 30 tonnes. Donc ça veut dire que le travail minutieux est bien fait au niveau de la production. Je m'appelle Ndonda Charles. J'ai commencé le poivre en 2002. Je suis dans le poivre depuis 18 ans. La grandeur de la plantation, c'est presque 3 hectares. C'est 2 hectares. Peut-être, bon, je peux dire 2 hectares, 80, quelque chose. Voilà. Presque 3 hectares. Disons que ça peut faire 6000 pieds. Hein. Ouais, environ, ça peut faire 6000 pieds. Ouais. Et ce n'est pas les 6000 pieds qui produisent au même moment. Parce qu'il y a, d'autres pieds qui meurent et on les remplace de temps en temps. Comme la récolte, bon, je grimpe peut-être de 300 kilos. De 300 à 400 kilos. Bon, l'année passée, j'ai fait 3 tonnes 2. Bon, cette année, je ne sais pas. Et bon, je peux faire même 3-5. 3-5. Ici, là, ça nous fait 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles. Donc, il y a septembre, il y a octobre, il y a novembre, il y a décembre et il y a janvier. Déjà en février, mars, c'est déjà prêt. En avril, quand les pluies commencent à aller, on les met au sol et c'est parti. On sent bien le goût. Hein. Wow. Ça prend. Ça commence doucement, mais ça prend de l'ampleur. Hein. Voilà, c'est ouais. Ça. C'est ça. Excellent. Wow. On comprend que les oiseaux aiment manger ça. Hein. C'est pour ça qu'on fait du rouge. Trois jours, quatre jours, on change, on remplit encore l'eau. D'accord. Bon, la septième jour, donc au huitième, dix jours, on lave. Vraiment. On lave donc maintenant ce poivre-là. Pour aller au séchage. Pour aller au séchage. D'accord. Dès qu'on lave, on monte ici. Il les trempe pendant environ une semaine, 10 jours maximum. Il change d'eau tous les 2 jours comme c'est demandé dans le cahier des charges. Et le poivre se retrouve ici. Il est prévu dans le cahier des charges puisqu'il est séché à l'air libre, qu'il soit séché au moins 3 fois. Donc sur 3 soleils en 3 jours. Donc, selon la quantité de soleil et le temps que ça met au soleil, il doit faire entre 2 et 3 jours. Il y a le poivre entièrement sec qu'on peut conserver sur une année ou deux. Le processus du poivre noir est différent. D'abord en champ, on récolte 2 à 3 semaines avant maturité. Les graines sur la grappe sont vertes, mais les graines sont suffisamment dures déjà. On ne peut plus en faire du poivre vert. Et celui-là, on doit le faire chauffer. Le site de transformation est un peu à côté en bas, sur l'étage là. On doit le chauffer à une température élevée, et laisser refroidir, et puis avant de sécher pour avoir du poivre noir. Vous pouvez donc constater, comme moi, que le poivre vert, le poivre noir garde la pulpe, alors que le poivre blanc perd sa pulpe au
pour du trempage, du rissage et du lavage. Ça, c'est que je me nomme Sagan Takugum Jean-Paul. Là, le papa l'a fait depuis son enfance et nous, les enfants, nous avons grandi là-dedans. Il nous a initiés et moi, je suis l'un de ses fils qui a été contaminé par le métier du papa. Donc, c'est pour ça que je me suis imprégné aussi là-dedans et j'ai trouvé que c'est un métier qui peut nourrir son homme. Donc, j'ai pris pour en faire ma vocation, quoi. Poulet sans poivre, c'est un poulet qui n'a pas de goût. Tu l'as, tu me regardes sur la caméra.